Hey, c'est tous ses amis, c'est vous, c'est avec vous, c'est nickel. Cool, et Jules, on se rejoint avec. Rétro-vive, ou plutôt Mauri Dio arrive ben. Vous me voyez d'ailleurs au fond à l'écran, et on vous retrouve tous pour la carrière d'Antonin, saison 7 sur la fin 2016. Aujourd'hui, premier rendez-vous de cette saison 2016 de Formule 1. Les qualifications du Grand Prix d'Australie à Melbourne, à l'Albert Park. Et début de cette saison 2016 de Formule 1. Ça va pas être simple. Non. On change radicalement de jeu, de posture, de tout. Il va falloir s'habituer. On est reparti sur un mode expert comme la saison dernière en 2015. Un mode qui nous avait permis d'augmenter la difficulté du jeu en cours de saison, mais de rester quand même au-dessus, surtout sur la fin. Sur un jeu F1 2015 qui était vraiment de très mauvaise qualité. On se retrouve sur un jeu F1 2016, vous voyez, où des choses ont été faites. Hein. Il n'y avait pas toutes ces cinématiques d'avant-course et choses comme ça. Par contre, en piste, ça a l'air d'être très, très compliqué. On a fait des essais libres et c'était pas simple du tout. Hein. Donc bon, un jeu un peu plus réaliste. Ouais, sûrement. L'objectif, déjà, ça va être de passer en Q3 aujourd'hui. Donc, on va voir si ça passe ou si ça passe pas. Mais ça va vraiment pas être simple. Et puis, les premières remarques qu'on a fait, c'est que l'IA était un peu folle. Donc, on risque d'avoir quelques crashs et quelques mauvaises surprises. On va bien voir. Bon, petite nouveauté qu'il va falloir prendre en compte cette saison, excusez-moi. Hormis donc les face-à-face des rivaux que ça vous découvrirez normalement un petit peu plus tard, c'est la recherche et développement, la R&D qui a été complètement refaite. On sait qu'elle avait disparu sur la fin 2015 comme beaucoup de choses, hein, on va pas se mentir. C'était minimaliste. Et donc là, elle est de retour et avec un système beaucoup plus poussé. C'est-à-dire qu'on a les fameux points de ressources que vous connaissez aujourd'hui pour ceux qui jouent au jeu de F1 moderne. Et donc tout un arbre d'amélioration à développer et donc qui arrive au fur et à mesure de la saison. Et donc on peut voir notre classement, notre comparaison des performances avec les autres écuries et puis ce que va nous faire gagner telle amélioration. Alors, voilà. Petite info, hein, tu as été champion pour la 4e fois de ta carrière avec Ferrari. Alors, pas pour avec Ferrari, hein, mais on était déjà avec Ferrari l'année dernière. Tu restes chez Ferrari. Hein. Oui, on a re-signé donc un contrat de 3 ou 4 ans de mémoire. Donc voilà. Alors, je pense que le plus intéressant serait quand même d'augmenter la puissance du moteur. On pourrait partir là-dessus. Parce qu'on me paraissait un peu court dans les lignes droites. Hein. Allez. Hop là. Alors c'est pareil, on a des petits soucis, F1 car setup ayant fermé. Pour trouver des réglages, c'est pas simple. Donc l'amélioration arrivera dans quelques temps. On ne sait pas encore tout à fait quand, mais bon, elle devrait arriver pour le prochain Grand Prix en général. C'est pas si long. On devra se rapprocher de Red Bull au niveau des performances. Oui, comme vous pouvez le voir. Alors, il va falloir aller à la séance d'essai libre 3. Bon, petite coupure au montage, le temps qu'on la passe et qu'on se retrouve en qualif. Bon, nous revoilà dans notre paddock. Comment allez-vous ? Et ça, c'est notre agent. C'est bien, comme ça les gens parlent de vous. L'essentiel, c'est que vous les battiez, ok ? Donc, présentation des face-à-face, et donc c'est l'histoire de rivaux que je vous parlais tout à l'heure. Donc, notre premier rival, bien évidemment, ça va être notre coéquipier Sébastien Vettel. Donc voilà. Qui arrive ? Non, c'est sa deuxième saison, il était déjà avec nous, je suis bête. Alors, on va nous donner des objectifs pour ces qualifs. Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. Se qualifier 5e ou plus et devant ses 7, bien sûr. Ça va pas être simple. Non, pas du tout. Allez, on va se diriger vers les qualifs cette fois-ci. Ouais. C'est la bonne. C'est parti, direction la Q1. Alors, ça tournait grosso modo, vous voyez la nouvelle cinématique, ça tournait grosso modo en 1.28.5 pour les meilleurs en essai libre. Nous, on a tourné en 1.29.3 avec les trajectoires. Et on était plus près de 1.30 sans les trajectoires. Ça va pas être simple du tout. Hein. D'Australie devrait bientôt débuter.
Allez, nous voilà sur le circuit alors que l'on découvre la Williams Martini de Valtteri Bottas et le pilote justement. Fernando Alonso dans la McLaren Honda. On rappelle une écurie en plus en cette saison, As. Là on voit la Renault de Kevin Magnussen. Allez, nous voilà dans notre box. On va commencer, donc on va bien évidemment partir en super soft. On va commencer donc par aller charger le réglage de la voiture. On a un peu pataugé pour trouver un réglage correct. Mais comme on vous disait avant. Bon, bah c'est parti. C'est parti. Règle du parc fermé, donc on ne peut plus toucher au réglage, bien sûr. C'est parti. Voiture un peu récalcitrante aussi. Il faut retrouver le bon équilibre avec ce jeu. À chaque fois, c'est un peu une feuille blanche. Hein, et on a remarqué que chaque année, on avait un peu de mal sur le premier Grand Prix. Oh, ça commence. Vous n'avez rien vu. C'est pas comme si on venait faire en plus les. C'est pas comme si on venait de finir les essais libres il y a quelques instants. Alors on a eu une petite coupure entre les deux, mais. Alors du coup, je vous ai pas dit, mais au niveau des programmes de recherche et développement lors des essais libres, on les a tous finis en violet, donc en optimal. Sur ce jeu. A savoir donc qu'il y a le. La gestion des pneus, la reconnaissance du circuit et le sprinter. Allez, essayez tout de suite de prendre le rythme de la voiture qui est devant nous. C'est Magnussen. Allez. Oula, il faut se remettre dedans là. Freinage un peu tardif. Allez, il faut essayer d'aller chercher une 31 pour Palmer. On devrait normalement faire mieux, quoique là on n'est pas très très bien parti. On va voir sur le deuxième intermédiaire. Gros souci de patinage jusqu'en 5ème quasiment. Ouf, découpé. Mais il n'y a rien. Une 30 pour Grosjean, une 31. Allez. Une 29-8 pour Alonso. Tout de suite, aller chercher des gros chronos. Virage là qui t'a posé des problèmes. Allez. Bon, ça va pas être mal. Oui, c'est beau. Allez. On va faire un deuxième tour. Bon, ça devrait au moins passer en Q2, faut espérer. Alors tout de suite on voit un petit changement, c'est qu'on a le en direct, on voit si on améliore ou si on n'améliore pas par rapport aux autres jeux de F1 qu'on avait jusque là. Oh, je me suis fait toucher ou parce que j'ai à peine touché l'accélérateur. Non, tu t'es planté tout seul. Et pourtant j'ai rien touché. Pourtant, j'ai rien touché. Donc, deuxième saison au volant. Hein. Ouais. T'avais pas fait un bon premier secteur. Et on pouvait améliorer et refaire ce que t'as fait dans les deux suivants. C'est oulala. Incroyable. Regardez, je suis en sixième et elle chasse de l'arrière. Je vais faire comme Seb qui a l'habitude de nommer ses voitures. Et je vais l'appeler Kylie Coquine. Parce qu'elle chasse de l'arrière. Oula, une 28-350 Hamilton qui met tout le monde d'accord. On n'est pas assez 5 dixièmes par rapport à notre temps. C'est pas 5 dixièmes par rapport à Lewis. C'est là qu'on a perdu beaucoup de temps pendant les essais libres sur ces virages à la fin là.
Allez, on est troisième. Allez, un tour oublié. Il va falloir essayer d'être propre. On s'en fait un troisième quand même. Ah oui, oui, oui. Il faut trouver le bon dosage au niveau du pilotage. C'est pas mal ça. Allez, il faut arriver à pousser là maintenant. Allez. Ouais, c'est propre, c'est bien, c'est très bien même. Allez, 8 dixièmes d'avance. Allez, sur nos meilleurs temps, on est dans les temps de Fernando à 3 dixièmes. De Fernando de Luis à 3 dixièmes. Allez, il faut continuer à améliorer. Allez, c'est un bon tour. Ouh, Luis qui vient encore d'améliorer une 28-2. Il va être difficile à aller chercher. Hein. Très, très difficile. Les Mercedes sont vraiment l'air très, très fortes. Ouh là là, on est bien en avance. Allez, rentre dedans là. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Allez, 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 allez. Ouh là, tu t'es déconcentré là? Allez, il faudrait aller chercher une seconde à peu près. Là, on serait sûr de passer en Q3 déjà. En Q2, pardon. Et on serait sûr d'être assez proche de Hamilton. Allez. Allez, ça va être un 1.28. Eh oui, une seconde pile. Une demi-seconde de Lewis. Hein. Ouais. Allez, attention. On va rentrer au stand. Allez, ça va suffire. Hein. On est à 1/2 seconde. Ah oui, alors je sais pas si vous avez fait gaffe. Ah, Gviat est passé. Faites pas attention à donc Fiat qui a le drapeau néerlandais, puisque donc je rappelle qu'à la base, dans la vraie vie, c'est Fiat qui a commencé la saison, les 4 premiers Grands Prix. Sauf que, et donc dans le jeu à la base, c'était le cas, sauf que ça a été mis à jour, ça a été Verstappen qui a été mis ensuite. Tiens, il y a un souci. De quoi? Verstappen apparaît avec. Et pareil avec le drapeau russe, c'est la même, c'est ce que je suis en train d'expliquer. D'accord. Okay. Et donc, bah, comme l'année dernière, je peux pas changer les drapeaux. Mais je peux changer les noms, mais je peux pas changer les drapeaux. D'accord, ok. Donc ouais, c'est pour ça, pareil, la tête, j'ai pas compris comment on l'a changé. Il y a moyen, mais j'ai absolument pas compris comment on faisait. Donc, bah, Fiat aura la tête de Verstappen. De toute façon, après l'Espagne, on rééchange et ce sera bon. Et au championnat du monde, s'il met des points, ça va faire quoi? Ouh, Nico Rosberg, meilleur temps. Et s'il met des points, ce sera pas bon non plus. Ouais. Il y a des chances quand même, oui, que ça mette des points. Hein. Oula, Vettel nous est passé devant aussi. Oi, 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 oi. Bon, les deux Mercedes. Ouais, elles sont vraiment au-dessus. Hein. Alors, on a notre place. On a notre place. Ça serait bien d'être à cette place-là à la fin de ces qualifs. Oui, à la cinquième place. Bah, là, c'est le résultat qui nous demande. Ouais, ouais, tout sauf à fait. Que ça va descendre. Hein. C'est moi qui vous le dis. Les éliminés. Les deux Renault de Magnussen et Palmer. Les deux Manor dont Verlaine qui fait une 18e place honorable. Et Rio Arianto, le premier pilote indonésien de l'histoire de la Formule 1. Et puis les deux Sauber de Ericsson et Nasser. Voilà, les Williams un peu bas après une saison très réussie en 2015. Ouais, il faut s'habituer à cette nouvelle grille. Puis les As, hein, pas mal, qui passent en Q2 pour leur premier Grand Prix. J'ai envie de dire que demander de plus, on part pour la Q2. Ouais. Allez, est-ce qu'on peut aller chercher plus bas, je pense. Hein. Je pense, tu t'es un peu déconcentré sur la fin. Je pense qu'on peut se rapprocher de 1.28. Hein. De 1.28.0, bien sûr. Allez, allez, voilà, j'ai pas fait gaffe si notre copain, si notre copain l'ingénieur avait changé. Pour le coup, on part alors avec cette nouveau pneu super soft. Hein. On va pas prendre de risque et partir en soft. Quand on sera peut-être un petit peu plus à l'aise et que la voiture aura évolué. Et pas que notre voiture qui va évoluer au fur et à mesure de la saison, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein. Allez, t'as vraiment fait un bon... t'as fait 2/3 de tour de correct et puis tu t'es un peu déconcentré sur un virage. Allez, il faut réussir maintenant à mettre tout bout à bout. Allez, c'est parti. Allez, tout de suite. Hein. Pas,
de repère, bien sûr, puisque c'est notre premier tour lancé. Allez. C'est un virage toujours un peu compliqué, celui-là. Perdu un tout petit peu la voiture, là. Ça va nous coûter quelques dixièmes. Ça nous permet d'être bien sur la trajectoire après pour le virage d'après. Ouais. Ouais, c'est mieux déjà que tout à l'heure sur le premier tour. Allez. Il y a toujours un décalage entre le chrono à droite et le chrono à gauche. C'était déjà pareil sur F1 2015. Oh, le gros boudin. Allez. Oh, Ricardo, 1.28.3 d'entrée pour Daniel Ricardo. Ça rigole pas. Bon, ça va aller chercher le 1.27. Hein. Allez, on en avance sur Ricardo. Allez, il faut y croire. Ça va aller chercher le 1.27 hein, chez Mercedes. Je vois pas comment ça peut faire autrement. Après, c'est vraiment l'équipe à battre hein, cette saison. Une équipe qui monte vraiment d'un cran. Ouh, ça a allumé les pneus là. Allez. Oh, pas de repère, hein, bien sûr. Je sais pas si c'est bon ou c'est pas bon. Tout va jouer dans ce dernier secteur. Ouh, un poil large. Ah, ça mérite un flashback. Un Grand Prix d'Australie qui nous a pas joué que des bons tours hein, par le passé. On a gagné qu'une fois, je crois bien ici, une ou deux fois. Deux fois, hein, je pense. En demi, bah, nos deux premières saisons avec Ferrari. Allez, 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 allez. Oui, ça va être bon. Ouh. Bon, je pense qu'on peut rentrer. Ouais, on va ouais. pas taper dans les pneus, surtout ouais. que ça va être nos pneus normalement qui vont nous permettre de commencer le Grand Prix demain. Donc on va pas prendre de risques. C'est pareil, hein, on va falloir qu'on s'habitue aussi à la dégradation des pneus. Hein. Ouais. Ouais, ça devrait améliorer quand même. Hein. Ouh, on pensait pas descendre si bas. Hein. Mmh. Les Mercedes ont pas encore fait de tour. Vla Rosberg, voilà. Vla Vettel, et alors où est Hamilton? Vla Hamilton. Oh, bah, 1.28.0. J'avais dit que ça allait descendre en 1.27 chez Mercedes, mais hein, c'est nous qui descendons en 1.27. Et je me rends compte que je l'ai deuxième. Deuxième run, oui, en plus tu peux améliorer encore. Hein. Oh oui, trois fois rien, 27. Oh, Red Bull avec Fiat, oh lolo. Oh là là, c'est ultra serré, ouais. On est tous dans la même, dans le même dixième de seconde. Et oh, on est devant Hamilton et on est devant Rosberg. Par contre, c'est quoi, c'est Red Bull. les éliminés Verstappen, enfin les deux Toro Rosso, les deux là, c'est les deux Force India. Les Williams, deux Williams qui s'en sortent, et les deux McLaren Honda aussi, de Button et Alonso. Ouais, pas mal, hein, pas mal. Pour une écurie McLaren qui est sur le déclin, on l'a vu la saison dernière. Hein. Ouais. Donc, petite surprise d'entrée là, hein, petite surprise. Gutiérrez qui se place 12e avec la Haas, ça peut peut-être dire des points là, demain. Mm-hmm. Ça pourrait être pas mal pour un premier Grand Prix pour l'écurie américaine. Ça, c'est extraordinaire. Alors, Rosberg était en soft, hein, c'est un signe. Rosberg était en soft, oui. Donc, vont se battre pour la pole nous-mêmes, Ricciardo, Fiat, Hamilton, Vettel, Button, Rosberg, Alonso, Bottas et Massa. Pas de grosse surprise. Hein. Les Williams confirment leur saison dernière. Non, c'était pas ça que je voulais. On rappelle l'écurie de notre début de carrière, hein, Williams. Notre deuxième écurie. Notre deuxième écurie, oui, bien sûr. L'écurie avec laquelle on a gagné nos deux premiers titres. Mince. Avant de connaître une saison 2013 très très compliquée. Ouais. Et de quitter l'écurie là-dessus. Alors ça nous a peut-être laissé un petit goût amer de s'enfuir sur une saison. Enfin, de s'enfuir. De partir sur une saison. Alors on est en train de reprendre Grand Prix après Grand Prix, de refaire un palmarès. Toutes nos stats, ouais. Ouais. Donc d'ici quelques temps, on sera capable de dire exactement ce qu'on a fait à chaque Grand Prix et. Allez, il y a peut-être une voiture à aller chercher pour se tirer un peu devant là. Allez. Allez, si on pouvait aller prendre un peu d'aspi, je pense que ça serait pas mal. Elle est un peu loin pour l'instant. Allez. Il faut aller la chercher. Allez. Une voiture qui est un peu récalcitrante quand même par moment. C'est pas si mal que ça, ça c'est notre coéquipier devant, non? Ça a l'air d'être l'autre Ferrari. J'ai pas fait gaffe. Allez, on va se concentrer. C'est pas mal ça. Allez, hein, ça roule vite aussi devant. 29-4, c'est pas mal. Allez! Allez, on sent que tu commences à prendre la mesure.
une 28-0 tout de suite pour Rosberg. Allez. Petite erreur, je suis redescendu en deuxième au lieu de rester en troisième. Une 27-9 pour Hamilton, c'est dans les temps de ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Il faut renouveler ce qu'on a fait pour avoir une petite chance. Allez. Ah, ça roule bien devant. Hein. Du mal à aller le chercher. J'ai pas regardé ce que ça disait par rapport aux autres. Allez. On a repris quand même un petit peu. Allez. C'est propre ça. Allez. C'est une Red Bull. Hein. C'est pas... Ouais. Mais c'est bon signe, hein. Ça veut dire qu'on est mieux que lui et je pense qu'il est en tour lancé. Hein. Oula, c'est un poil large là. Qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça va dire? Oh, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On est bon. 27-6. Qu'est-ce qu'on fait en... Wait and see, wait and see. Ouais, ouais, ouais. Je serai un peu d'accord avec toi. On ressort s'il y a besoin. Ouais. Alors, c'est pareil, hein. Est-ce que tout le monde a fait son premier run? On est toujours fait, hein. Tout le monde a fait son premier run. Ouh, une pénalité pour Button. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors son tour qui n'a pas été compté, je pense. Je sais pas. On a 3 dixièmes devant Lewis. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on se retente un deuxième quand même? Moi, je me retente très bien un deuxième. Je te propose qu'on avance un petit peu. Ah, mais après, tout le monde va sortir en même temps et tout le monde va faire un deuxième run à peu près en même temps. Allez, allez, ouais. Faut qu'on le fasse, hein, ce deuxième tour. Hein. Ouais. Il n'y a pas de marge. C'est pas comme sur F1 2015 où on savait où on en était, on savait la marge qu'on avait. Allez, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut créer la surprise, entre guillemets? Ah, ça serait. Ah, on est champion du monde en titre, mais oui. Ça serait un peu une surprise sur un nouveau jeu de. Et après des essais libres qui ont été quand même un poil compliqués. Il y a le drapeau jaune. D'être tout de suite là. Allez. 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 Il faut y aller. Ah, si on pouvait aller taper une 27-5, ça serait pas mal. Il y a un petit rail là, il faut éviter de le prendre. Eh, ça nous a tout de suite fait perdre un tout petit peu de temps. Allez, c'est pas grave. Ça va être dur, hein, ça va être dur. T'as vraiment réussi un très très bon premier secteur. Allez, il faut enchaîner. Une voiture qui bouge pas mal. Allez, on est en retard, c'est pas grave. Allez, on peut peut-être aller chercher du temps après. Ah oui, on a regagné du temps là, avec un freinage très tardif. C'est beau, c'est beau. Je pourrais pas me prononcer sur le dernier secteur. Ouh, tu en avances, allez. Ouh, c'est très... Ouh, c'est coupé, mais ça ne dit rien. C'est incroyable. Ouh, ça nous a fait gagner 2 dixièmes ça. Hein. Allez, il faut faire un gros dernier secteur. Ça améliore pas pour l'instant. Est-ce qu'ils sont derrière nous? Je pense qu'ils sont un peu derrière nous. Hein. Ah, quoique non, la Q3 finit là. Et peut-être qu'il y en a qui sont élancés. On aura la réponse après. Allez. Perdu un peu de temps là. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur d'aller chercher mieux. Et si, 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 si. Ça va être mieux pour 2 dixièmes. On va passer sous le 1.27.5. C'est magnifique. Wouhouhou. Ouh, il est beau celui-là. Il est beau. On aurait même pu en faire un peu plus. On va pas abîmer les pneus. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, est-ce que tout le monde a fini? Pas tout à fait. Oui! Oh, 6 dixièmes! Oh là 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 là! Incroyable! Et on Fiat 3ème. On croyait vraiment pas être à ce niveau, hein. Poulololololol. Et bah, c'est pas mal du tout. Attention à la course. Oui, oui, attention. Hein, la bataille va être furieuse. On a vu que l'IA était totalement dingue. Donc, il va falloir vraiment tenir cette position. Garder un gros, gros rythme parce que je pense que Mercedes va être très, très rapide. Et voir l'usure des pneus. Bonne première approche quand même. Hein. On pensait vraiment pas être à ce niveau. Hein, on le répète.
Donc, la pole position est pour nous en Australie. Elle commence bien cette saison 2016 de Formule 1 de Lewis Hamilton, le vice-champion du monde à côté de nous. Oui, oui, la bataille pour le titre qui se reprofile déjà. Avec, on vous l'a dit, quand même une Mercedes qui semble être un peu au-dessus. Ouais, tout à fait. On l'a vu déjà au niveau de la puissance moteur sur les réglages. Donc voilà, 4 Rosberg, 5 Ricciardo, 6 Vettel. Donc on bat notre coéquipier d'entrée. 7 Bottas, 8 Button, 9 Alonso et 10 Massa. Du mieux pour les McLaren et du mieux pour les Red Bull. Ouais, par rapport à la saison dernière, on rappelle que la grosse surprise de la saison dernière, ça avait été les Williams. Mais Mercedes et Red Bull, là, sont vraiment présents. Et Vettel qui semble repartir sur les mêmes bases que l'année dernière. Il avait déçu, hein. Il avait été quand même très très en deçà par rapport à nous. Donc bon, on va bien voir ce que ça va donner. Si je me souviens bien, son contrat arrive à son terme à la fin de la saison. Donc il n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, Seb. Voilà. Bon. Oh, ça fait du bien. Temps de chargement un peu longué. Le jeu a tendance à un petit peu laguer. On a changé de setup. Hein. Oui. Notre vieil ordi, on a eu peur qu'il ne supporte pas l'affaire. Donc on est passé sur ton nouvel ordi portable. Et avec une prise HDMI, on s'est branché sur notre écran. Et on garde donc la même configuration. Sauf que donc on passe d'un ordi à un autre. Et ben voilà. On met tout de suite un peu de points pour les améliorations futures. Il y en a à toutes les... Et alors là, le face-à-face, vous voyez, en fait, ça se fait par nombre de points. Donc le premier arrivé à 30 gagne. Et donc, 8 à 2. Voilà. 8 à 2 pour commencer. Donc qualification terminée, il a mis des points, aucune pénalité. Il a mis des points aussi et nous, on l'a battu pour tout le reste et même à chacun des secteurs. Hein. Ouais. Okay. Bon, et donc on a aussi notre statut de pilote qui s'améliore. Donc notre réputation au sein de l'écurie, alors oui, ça nous met en tant que deuxième pilote. Théoriquement, on est premier pilote, mais c'est évidemment à chaque fois on recommence à zéro. Donc voilà. C'est un petit peu dommage ça qu'ils ne te laissent pas vraiment personnaliser tous ces trucs-là. Ouais, après, ça serait peut-être trop simple aussi si tu arrivais vraiment en étant largement au-dessus. Ça limite les opportunités, enfin les possibilités de créer du voix autour du jeu. Donc moi je pense quand même que ce mode expert va nous tenir sur la saison. Alors je me trompe peut-être, hein, on verra peut-être qu'au bout de 5-6 Grands Prix c'est un peu trop simple. Oui. Sachant quand même que l'Australie n'est pas celui qui nous réussit le plus, on va arriver derrière sur 2-3 circuits qui nous sont un peu plus favorables. Jusqu'à Monaco, hein, bien sûr. Et on verra. L'objectif, c'est toujours, bien sûr, d'améliorer le niveau. Si on voit que on est au niveau, on restera en expert toute la saison. Si on voit que c'est trop simple, on passera au niveau d'au-dessus. Et on verra ce que ça donne. Bon, et bien voilà, les amis. J'espère que ces premières qualifs de l'année vous auront plu. Si vous ont plu, écoutez, vous commencez à connaître la chanson. Depuis le temps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce là où vous avez chassé. Regardez, il y a le jumeau de Fred Vasseur là-haut. C'est vrai en plus. Fred Vasseur qui à cette époque-là n'était pas en F1, il était toujours chez Hard Grand Prix, je pense, en GP2 du coup à l'époque, pas encore la F2 de mémoire, c'était encore le GP2, la dernière année du GP2, remporté par un certain Pierre Gasly, si je me souviens bien. Donc voilà. Bon, et bien, donc j'en étais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre mon serveur Discord, d'ailleurs, je suis sur twitch.tv/fun7 et puis tous mes réseaux sociaux, @fun7 sur Twitter et Instagram, et fun7 la page Facebook de la chaîne. Et puis nous, on se donne rendez-vous, écoutez, demain pour la course, et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine. Allez, au revoir! Ciao!